la montagne a le cœur sur la main. Il t'ouvrira sa porte si tu y vas demain. Si c'est vrai que les marmottes viennent lui lécher les bottes, ne vous y fiez pas trop, faut pas le prendre pour un blaireau. Il habite un chalet tout au bas du Roignet, seigneur du Beaufortin, un nom qui lui va bien. Je l'ai connu un jour, pris par le mauvais temps, quand j'allais faire un tour du côté de Florent. L'ami de la montagne se contente de peu, de chèvres et trois moutons, la soupe sur le feu. Si jamais il sort le jambon, je peux vous dire que c'est bon. Et la bouteille de paché, alors là, faut accrocher. L'ami de la montagne a le cœur sur la main. Il t'ouvrira sa porte si tu y vas demain. Si c'est vrai que les marmottes viennent lui lécher les bottes, ne vous y fiez pas trop, faut pas le prendre pour un blaireau. Quand on voit ce que devient notre belle société, vaut mieux avoir un chien fidèle en amitié. En plus il fait le boulot, il garde le troupeau. Des fois qu'il y aurait un loup qui arrive de là-haut. Si l'homme de la montagne a l'air un peu méfiant, c'est normal de nos jours, il y a pas mal de mécréants. Si c'est vrai que la montagne respire la liberté, tous les montagnards le savent, faut savoir la respecter. L'ami de la montagne a le cœur sur la main. Il t'ouvrira sa porte si tu y vas demain. Si c'est vrai que les marmottes viennent lui lécher les bottes, ne vous y fiez pas trop, faut pas le prendre pour un blaireau. L'ami de la montagne.